We zijn hier vandaag in Sunparks in Mol met de 12 kerstverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Zo kandidaat in francophone en nous faisons l'entretien partiellement en néerlandais en français. Dus dit is de Franstalige kandidaat en we zullen dit gedeeltelijk in het Nederlands en in het Frans doen. Bonjour Rémi, stel jezelf even voor. Ik ben Rémi Penon, ik kom uit Brussel, ik ben 30 jaar. En ik ben een klerentechnicus. Ik bestudeer de verschillende technieken van kledingassemblage. Oké, pourquoi participes-tu à l'élection Mr. Gay Belgium en quelle est ta motivation? Eh bien, je connais l'existence de ce concours depuis peu, en fait, et j'ai vu qu'il était ouvert aux francophones, par le biais d'un ami qui a aussi participé. Je me suis dit que je pourrais peut-être tenter ma chance, mais aussi parce que j'avais un très gros projet à mettre sur pied, et je me suis dit que c'était une occasion. Parle-nous de ton projet. Eh bien, en fait, je vise l'acceptation que les parents ont à l'égard de leurs enfants LGBT. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, encore en 2018, il y a, si je peux dire, un problème de sensibilisation des parents qui ont encore du mal à accepter que leur enfant puisse être gay, lesbienne ou toute autre identité sexuelle. Ok, maintenant autre chose. Quelle est ta destination de la rêve et pourquoi ? Le Japon. Il faut savoir que j'ai fait quelques études de traduction où j'ai appris le japonais. Et je suis très intéressé par tout ce qui est la japonologie et les ethnologies asiatiques. Quel animal est-ce que tu voudrais être? Tyson Betjera, mais un spin. Un spin? Pourquoi? Eh bien, je suis un couturier. Les couturiers travaillent les fils, tout comme les araignées. Voilà. Ok. Dernière question. Rémi, quel est ta devise dans la vie? Six fois par terre, sept fois debout. Ok, merci. Sans prix.